Je voulais vérifier que le son était bon. Parce que bon, j'ai déjà eu des enregistrements qui n'avaient pas de son, étrangement, et c'est très pénible. Je vais pas critiquer tes construits, j'ai dit la vérité. On va se calmer, hein. Non mais oh. Oh, regardez ce concerto pour Braillard. Oh putain, l'aspi encore en panne. Chiant. Alors. Tan 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 tan. Allez, on va tous les renourrir là, hop. Plus vite que ça. Églou, églou, églou. Il est des nôtres. Il a bu son bib comme les autres. C'est un ivrogne. Ça se voit rien qu'à sa trogne. Ami Dédé, ami Dédé, lave ton verre. Et surtout, ne le renverse pas. Bah non, elle sera pas alcoolo, Francette Luce, elle sera catcheuse, on a dit. La 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 la. Il a bu son verre comme les autres. Allez, pose ce chien. Du frontibus, du frontibus. Oh, je sais plus quoi. Du ventarium au pissarium. C'est ça. Il est notre. Bon, bon, bon. On s'emmerde, hein. On s'emmerde dans cette aventure. D'ailleurs, je crois que les filles, elles grandissent demain. Alors ça, c'est chiant que ça me désélectionne à chaque fois. Elle va bientôt grandir. Elle vient. Oh là là, 1, 2, 3. Elle va bientôt vieillir. Comment ça s'appelle déjà? Georgia. Ok, les filles grandissent demain. Bon, on aura un peu plus de trucs à faire demain, du coup. Divantarium. Mais c'est fini, cette colère! Ah non, c'est lui qui braille! Mais calmez-vous! Quel relou! Lui, ça va être le relou de la bande, Guy Georges. Il est censé être calme! Il est aussi calme que mes chats quand ils pètent un câble et qu'ils courent partout dans la maison! C'est pas possible! Catcheuse alcoolique! Ouais, en général, ils font pas long feu, hein. Non, oui, on peut leur dire ta gueule. Ta gueule! Toi aussi, ta gueule! Ah non, elle rigole, ça va. T'as le droit de rire, ça va. Oula! Oula là là! Vous êtes crade! Y a pas les super soins cosmiques, voilà, parce que t'es trop forte. Qu'est-ce qu'elle fait? Burke. D'accord, super. Oh, elle est quand même dégueulasse. Oh là 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 là! Mais ça suffit! Ils sont chiants! Ils sont très chiants! Très 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 chiants! Et on peut pas genre mettre une berceuse et ça endort tout le monde. Parce qu'ils sont quand même côte à côte, quoi. Un peu débile, comme d'habitude. Bon, écoute, Désiré, va jouer à la console, hein. On va regarder un film.
Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Oh, la quincophonie. Pas possible. Bon, les... Bah non, s'ils sont pas... S'ils sont pas... S'ils passent pas adultes, ils comptent pas dans mon sang baby. Alors non. Je peux pas les vendre. Bah sinon, t'inquiète que... T'inquiète qu'il y aurait longtemps qu'ils auraient déblayé le plancher, hein. C'est moi où il était en train de cajoler un sac poubelle. Mais il va pas mieux, lui, hein. Oh, Shushka. Il est complètement barjot, hein. Elle a des pastèques? Ouais, bah écoute, en même temps, elle est grosse, alors... Elle est grosse et enceinte. Et puis elle a eu quand même déjà 11 mouflés, hein. Ça te fait pas maigrir d'être enceinte, enfin, je pense. Sinon, c'est qu'il y a un problème, à mon avis. Écoute, elle est comme moi. Voilà, les pastèques. Petit zoom, c'est gratuit. Les gens veulent que je résonne comme une grande personne. À vous dirai-je ce qui cause mon tourment. Depuis que j'ai vu s'il vendre mon cœur, je sais plus quoi, machin truc. Il m'a pécho dans les buissons. J'ai perdu ma petite fleur. C'est pas possible. J'ai oublié mon machin là. Ma pince. La pince à crin. La 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 la. Bah c'est ça la vraie chanson, hein. C'est la meuf qui dit à sa mère que bah elle a rencontré Sylvain, qu'elle est tombée amoureuse et que bah ils ont ken quoi. Elle a grandi, tu comprends? Voilà. La chanson parle de la comment ils disent ça? Du passage à l'âge adulte d'une enfant. Voilà. Alors oui, mais ça c'est la vieille version, parce que maintenant la vraie version c'est à vous dirai-je maman ce qui cause mon tourment, papa veut que je raisonne comme une grande personne, blablabla, ça c'est celle qu'on a tous entendue. Et nous l'autre jour, en fait chercher la dernière fois chercher, mais c'était quand j'avais un peu oublié de stream, enfin d'enregistrer. Donc, les minutes que vous avez perdues, en fait, je suis allée regarder les paroles de chansons de À vous dirai-je maman parce que je m'en souvenais pas et je suis tombée sur l'ancienne version. Attends. Hop. Donc, les paroles. De base, c'est un. C'est. Ouais, c'est une chanson. Mais il y a vraiment la vieille version. Depuis que j'ai vu Sylvandre me regarder d'un air tendre, mon cœur a dit, dit à tout moment, peut-on vivre sans amant? Enfin voilà, les paroles parlent d'elles-mêmes, hein. L'autre jour, dans un bosquet, il me cueillait un bouquet, il en nomma ma ou il en orna ma houlette, me disant, belle brunette, Flore est moins belle que toi, l'amour moins est pris que moi. Donc pour la traduction, il la drague en la comparant à une autre zouze. Ok, mon volet s'est fermé, j'ai eu peur. Je rougis et par malheur, un soupir trahit mon cœur. Le cruel avec adresse profita de ma faiblesse. Hélas, maman, un faux pas me fit tomber dans ses bras. Traduction, ils ont ken. Je n'avais pour tout soutien que ma houlette et mon chien. Ah oui, alors le chien, il a profité, hein, il a tout vu. Amour voulant ma défaite, écarta chien et houlette, à qu'on goûte de douceur, quand l'amour
Prends soin d'un cœur. Alors, une houlette pour ceux qui demandent, parce que je suis pas sûre non plus. C'est un bâton de berger ou une petite bêche de jardinier. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Et l'autre, il la ken dans le bosquet. C'est honteux! Honteux! Guy Georges, tu peux dormir, s'il te plaît? Et toi aussi, casse-couillux! Oh là là, c'est la foire à la saucisse. Jackie, Michel, de... Bah, en vrai, toutes les chansons, les comptines pour enfants, ça parle que de cul, hein. Je sais pas pourquoi on chante ça à nos gosses. À la souris verte et compagnie, laisse tomber, hein. C'est sûrement parce qu'on trouve ça mignon et qu'on connaît pas l'autre sens, mais quand on se penche sur la question, ça craint du fion, hein. Il y en a une autre comme ça, c'est Jeanneton prend sa faucille, vous la connaissez? Bon, celle-là, elle est un peu plus explicite, pour le coup. Il y a moins besoin de lire entre les lignes. Mais quand même un peu, qu'est-ce qu'il a? Oh non, il a peur de l'orage! Mais ça suffit d'avoir peur de l'orage quand vous êtes à l'intérieur! Dehors, je dis pas! Même moi, je me chie dessus! Mais à l'intérieur, on s'en fout! Oh là, il pue et tout. Ouais, je sais pas. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi t'es là? Bon, qu'est-ce qu'ils ont? Ok, elle a faim. Elle a faim. Il a faim. Ils ont tous faim. Génial. Allez. Bah, c'est parti. C'est parti. Hein. Désirée, on a besoin de toi. Elle va nourrir ta petite soeur au bib, là. Le bib. Pardon, j'ai le hoquet. Coucou Didi, comment ça va? Vous connaissez pas Jeanneton? Voulez que je vous la chante? C'est mon live, c'est un karaoké, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu fous? Va t'occuper de ta sœur. Elle fait un caca nerveux. Voilà, tu peux y aller maintenant? Eh bah, faut être pressé, hein. Non mais Miss, on va pas appeler tous les gosses avec un nom de chaussures différentes, hein. Ça va pas le faire. Oui, alors je vous présente pantoufles, espadrilles, charentaises, claquettes, tongs, escarpins, louboutins, là on va carrément dans les marques, baskets, Nike, Puma, non, n'importe quoi. Chaussons lions. Les Crocs, c'est des jumeaux. Crocs à talons. Y a quoi comme autre chaussure? Si, le truc trop moche là. Espadrille. Ah bah je crois que tu l'as mis. Attends, mais c'est ça. En espadrille, t'as mal aux pieds. C'est vraiment de la merde. Je sais plus la chanson. Vous la connaissez la chanson des nuls? En espadrille. Je vais vous envoyer le lien. Sinon, je vais me prendre un strike. En espadrille, on a mal aux pieds. Attends, moi j'ai envie de la mettre maintenant. Je vais vous la faire écouter. En espadrille, on a l'air d'un con. On a des ampoules, on danse le disco. En espadrille, ça pue des pieds. En espadrille, en espadrille, on rachète une paire au bout de 3 semaines. En espadrille, c'était un message de la collectivité des Tongs. En espadrille. Voilà, c'est les nuls, hein. Je pense que Didi t'es trop jeune, mais. En espadrille, on a l'air d'un con, on a mal aux pieds. Et attends, mais y a pire que les espadrilles, parce que les espadrilles, autant, tu vois, c'est un peu nazouille, mais bof, enfin, voilà, au final, c'est pas très compréhensible ce que je dis,
Voilà, c'est un peu OSEF. Mais alors, les gars, il faut que vous sachiez un truc. J'ai un petit péché mignon, c'est de regarder les télé-réalités. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ça m'amuse comme si je regardais du théâtre. Et je vous jure, il y a un mec, un jour, ils descendent de la bagnole, parce que tu sais, à chaque fois, ils arrivent, ils ont des entrées trop stylées, genre, ils arrivent, ils descendent de la voiture, et puis, t'as le pied qui se pose sur le sol, après, il y a des gros plans sur lui, et tout, c'est n'importe quoi, c'était comme au ciné, c'est trop drôle. Et donc, ce monsieur, donc, très propre sur lui, comme tous les autres, comme les 96 000 autres candidats, très mignon, machin, enfin, mignon, si t'aimes le style, on va dire, costard et tout, et je vous jure, à ses pieds. Mais c'était je sais pas ce que c'était, je sais pas comment décrire ce truc. C'était des espèces de bah de claquettes, mais vraiment des claquettes genre plates avec un truc comme ça, mais le bout pointu, un peu comme des babouches en fait. Maintenant qu'on le dit, comme des babouches, mais avec de la fourrure et l'arrière du pied nu. Les gars, je peux pas décrire ce truc, mais c'était pas possible. Je tapais une barre pendant 15 minutes. J'ai mis pause, j'ai fait des screens, j'ai envoyé Oscar. J'ai dit, regarde comment c'est laid. Était mort de C'est affreux. Des claquouches. Ah non, c'était trop laid. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé, putain. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était pas possible. C'était pas possible, je sais pas pourquoi. En plus, tu sais, le gars, tranquille, quoi. Le costard, machin. Après, bon, c'est pas le costard classique. C'est le costard avec des motifs que tu vois pas tous les jours. Mais pourquoi pas, ça lui allait bien et tout. Et c'est babouche... babouche moumoute. J'ai envie d'en chercher pour vous montrer l'horreur. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Je vous jure, c'était laid. C'était très très laid. Ouais, non, là je tombe sur des espèces de chaussons. C'est pas du tout ça. Parce que en fait, ça faisait vraiment. Comment ça s'appelle? Chaussures de ville, là, avec le bout pointu. Tu sais que tu mets bah, quand t'es bien habillé. Enfin, quand t'es bien habillé. En général, enfin, je veux pas dire que t'es mal habillé si tu mets pas ça, mais. Vous voyez les chaussures de ville, quoi. Que tu mets souvent avec un costard. Sauf que. Il y avait de la putain de moumoute. Une espèce de talonnette et le talon ouvert. C'est pas possible. Et ça date, ça doit faire 2-3 ans que j'ai vu ce truc et je suis toujours. Waouh. Waouh. Je voulais vous le faire partager. En espadrille, dans mon pied. D'abord, on a l'air d'un con. On a l'air d'un con. On a mal aux pieds. Allez, va donner le bain à Rita. Et oui, donc Missou, on va pas nommer tous nos gosses avec un nom de chaussure, hein. Ça va pas le faire. D'ailleurs, c'est pas leur anniversaire là, aux deux petites morues? Bah si, bah ils vont grandir, hein. Allez hop. En espadrille. Et oui, les ballerines, c'est pas terrible non plus. Hein. En fait, les ballerines, ça fait des ampoules de ouf. Dire qu'à un moment, c'était la mode. Oh là 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 là. Quoi? Pourquoi je peux pas? Allez, fonce cette luce. Arrête de chialer, tu vas grandir. Tu vas pouvoir farmer. Petite vénarde. Tu devrais être contente, enfin. Curieuse, très bien. Ah! Elle a gagné un très bonus. Ah bon? Nourrisson au top! Ok.
Martine de la Tongue. Mais il s'appelle déjà Duslip, ils vont pas encore en plus s'appeler de la Tongue. Un sup. Bah écoutez, la première fournée était tous des nourrissons malheureux et celle-ci est plutôt heureuse, donc on va pas se plaindre. Allez. Il est temps d'aller farmer. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Bon, tu poses cet enfant, s'il te plaît. Allez, Rita. Qu'est-ce qu'elle fait? Laisse cet enfant. Ah, Martin a envoyé un cadeau. Fais pas parler de toi, Martin. Ça va encore être compliqué pour Brézou. Parce qu'ils ont réparé le bug. Ah, ça a l'air trop cool. Yes. De la tongue du slip, c'est un peu pompeux, hein. Nourrition au top pour Rita aussi. Mais tu vas pas être curieuse comme ta sœur, espiègle. Allez, c'est parti. On prend la communication, ça monte le plus vite. Allez, pose cet enfant. Bon, ils ont pas l'air trop moches pour le moment. Alors. Ah. On va lui donner un bain à ce peu de chaud là. Guy Georges. Et ensuite, on donnera un bain à l'autre, Sylvandre. En espadrille, on a l'air d'un con. Merci pour le cadeau, faut l'ouvrir. Flemme. Il y a de l'orage dehors, moi je sors pas. T'imagines ma matriarche. Ah non, elle risque rien, elle est enceinte. Alors, oh, je peux pas. Ok. Bah, il n'y a pas de courrier. T'as envoyé du vent. Martin a envoyé du vent. Connard! J'ai envie d'une glace. Qui c'est qui veut me voir manger une glace? Je vais finir par faire des lives à poil, moi. Hein. Vous en pensez quoi? Faire la e-girl. Déjà, gros plan sur mes nichons. Non, c'est dans la boîte aux lettres, faut récupérer et après ça se met dans l'inventaire. À moins qu'ils aient changé dans une nouvelle mage. Parce qu'il y a eu une mage hier, je crois. Allez, on babille. Bon, en tout cas, je suis contente que ça soit revenu parce que c'était relou. Ah, voilà. Fallait attendre que le courrier soit distribué. Tout simplement! C'est bon. Alors, oh, regardez, ils ont envoyé des cadeaux. Allez, hop, on les vend. Merci pour les cadeaux. Ça dégage. Ouais, il y a une petite mage hier ou avant-hier, je sais plus, mais je sais pas ce qu'elle a réparé, j'ai pas été voir. Et comment vous dire que je m'en fous? Oh! Quand on aura fini Lake, je referai peut-être une session sur Rivershine. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Ou peut-être un live sauvage dessus, je sais pas trop. Ah, ça y est, elles ont 3. Calmez-vous, vous avez 3, c'est bon. C'est vrai qu'il faut que 3. Miss.
Bon, ça c'est bon, ça se fait tranquillou, hein. Tranquillou, pipou. Je pense qu'on va... On va... On va les faire manger parce qu'il me semble qu'elles ont faim, les petites là. Ah non, elles ont sommeil. Ah bah alors, rancha. Elles ont sommeil. Il faut qu'on leur apprenne à aller sur le pot, hein, assez vite. Allez, choupette. T'es toujours avec le gosse? Tu peux aller le poser dans son lit? Visiblement pas. Pas trop tôt, merci. Je t'ai demandé de le faire il y a genre 100 ans! Après, on est sur le pot, Arita. Allez, go! Oui. Elles ont l'air quand même mignonnes, hein. Après, les bambins, c'est souvent mignon. Et puis après, ça dégénère. Qu'est-ce qu'elle fait? S'évanouir, super. Bon, bah, tu vas aller te coucher, hein. Puisque madame préfère s'évanouir que d'apprendre à faire caca sur le trône. C'est honteux. Bon bah du coup, on va s'occuper de Francette Luce. Honteux. Allez, bonne nuit, petit bambin. Quoi? Qui c'est qu'appelle? J'ai pas eu le temps de voir. Ah, il a faim, lui. Elle va manger, Jean-Mich. Il est bête aussi. Gnu, j'ai faim, mais il va pas manger. Mon faim. Ernestette. Non, mais réserve-toi pour quand ce sera l'heure, Missou. Là, c'est pas l'heure. Faudrait être rapide. Quand ils auront... quand elle accouche, hop! Faut sortir le nom. Bon, ça va, vous êtes que deux relativement actifs, donc ça devrait pas être trop la course si on a deux. Oh, les femmes! Non. Non. Après, les chaussons, c'est... et les chaussures, c'est la bouffe, c'est ça? Voilà, jambon, saucisse, banane, poulet, roquefort. C'est sûr, c'est la règle. Premier arrivé, premier servi, oui. Quand les bébés sont nés et que j'ai dit donner un prénom. Pas avant. Et c'est un par personne, évidemment, parce que sinon, au cours du live, en tout cas. Enfin, je sais pas, on fait ça depuis 5 épisodes. Tu pourrais retenir, Brézou. Oui, je sais, tu vas dire Martine. Tu veux pas la réserver pour la fin? Parce qu'avec un peu de chance, ça deviendra matriarche et tu la verras très longtemps, du coup. Oh, j'ai peur. Je dois avoir peur? Non, ok. Bon, moi j'ai pas peur alors. N'aie pas peur, mon enfant. Je ne te ferai aucun mal. Oh, bah c'est pas tout de suite. Elle vient de passer au deuxième trimestre là. Vous allez encore attendre un peu, mes pauvres vieux, hein. Ah, oulala, c'est un caca boudin, ça. Je reconnais. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi ils ont peur de l'orage.
Alors que l'orage est dehors, en général, ils ont peur quand c'est à l'ex et qu'ils sont à l'extérieur, non? Ça me paraît chelou. Ah, Sylvain, on a très faim. Bah, on va peut-être le nourrir. Ça pourrait être pas mal. Tu peux juste attendre que maman ait mangé. Voilà, allez, go. Putain, c'était pas le bon. Hey. Putain, il met encore 8 ans, lui. Désiré, va lui donner à manger. Oh putain, il s'est endormi, ce connard. Bon, cours ici, toi. Dépêche-toi. Là là, mou du genou. Réveille ce petit, là. Debout! Faut que tu manges! Debout! Allez! Super, c'est ton grand frère qui pue, qui te nourrit, petit vénard! Ah, mais c'est relou! Parce que dehors, je comprendrais qu'ils aient peur, mais là, c'est juste chiant en fait. Voilà mon pauvre petit ventre. Bah oui. Il avait faim, le bébé. Le bébé. Mais par contre, toi, va te laver, tu pues là. Tu pues la mort. Non mais faut dormir maintenant, Sylvandre. Fais un effort. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, dors! La la la. C'est ça. Mange ta main et garde l'autre pour demain. C'est nul cette expression-là. Bah dors, du con! Bon bah chiale, hein. Voilà. Oh, il y avait un truc. Je sais pas ce que c'était, un chien peut-être. Ah, il y avait un autre mec. Vous avez pas peur, hein, de mourir avec vos vélos et tout là? Ah, il m'a laissé son vélo, trop bien. Vous pensez que je peux le voler? Vole le vélo. Dommage. La 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 la. Bon, on en est où du bébé là? Ah, elle accouche dedans. Voilà. Un cauchemar, super. Non 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 non. Tu restes couché, tu redors. Allez. Hop. En tout cas, notre petite catcheuse, elle est tranquille, elle, hein, pour l'instant. Ça se trouve, elle va être pire, mais pour l'instant, elle est tranquille. Non, tu dors. Elle veut pas. Bon, et ben, tu vas farmer alors. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Allez. On va faire la réflexion, là, cette compétence de mort. Mais pourquoi tu passes par dehors? Tu veux te faire foudroyer ou quoi? On n'a pas inventé l'eau, celle-là non plus, hein? Alors, lequel est réveillé? Lui. Pourquoi il brille?
Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être s'il va faire un nouvel acte. Ok. Ah oui, il a rigolé. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi il se réveille pas? Réveillez-vous! Vous êtes buggé! C'est bon? Hop. Et on va donner le bain à Sylvandre. Toi, on te nourrit. C'est quand tu veux, Georgia, pour voilà, merci quand même. Ensuite, on m'a donné un bain avec Guy Georges. Non, 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 tu fais quoi? Hop, fous-le dans son lit là et viens ici. Toi, arrête la tablette, arrête de piquer une crise et on va aller sur le pot. Voilà. Ça va les gens, vous êtes toujours là? Ça lag pas d'ailleurs? C'est quand tu veux, hein. Hop. Ok, parfait. Merci, Missou. Elle a mis où la tablette, la gourgandine, là? C'est bon, on va la faire manger après. Oh là là, quel chieur. Mais c'est bon, elle va manger toute seule, regardez. Elle est bien, elle. On va la garder, hein. Ouais, regardez cette petite. Hop, on va lui apprendre à aller sur le pot. Oh, laisse cet enfant pleurer, ça lui fera pas de mal. Oh merde à la fin. Et l'autre, la mère, c'est Rod Petchy, hein. Elle arrête pas. Quoi déjà le niveau 2 de peau Bah tant mieux, ça va vite. Et toi? Elle n'est pas contente. Elle a encore sommeil, mais elle vient de dormir. Elle vient de dormir pendant 30 ans, là. Qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles? Mais enfin! Bon, arrête avec la tablette. Hop. C'est
C'était utile ça. Vraiment. Vraiment très utile. Allez, Astic désiré, Astic. Astic. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Je sais pas s'il reste beaucoup de bouffe. Oh putain, les vieilles cassées. On va cuisiner. Cuisiner. Des macaronis. Voilà. Ah oui, non, il va aller aux toilettes surtout. Alors, c'en est où les compétences? Ça va, ça se fait tranquille, hein. Sauf elle qui nous casse les couilles. Elle est toujours pas le... Elle... Oh, ah. Non, on va pas la coucher. Le pot avant. Après, tu iras la coucher si tu veux. Mais d'abord, je veux qu'elle ait level 2. Coucou, Little Coucou, Little. Bienvenue à toi. Hop. Sale grosse. Je crois que c'est la première fois que je te vois ou j'ai oublié. Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Soir, la fée. Eh, salut la fée. Première fois, eh bien, bienvenue. Bienvenue à toi. Installe-toi, prends des cookies ou pas d'ailleurs. Prends de l'eau parce qu'il fait chaud. Enfin, chez nous, on fait chaud. Bienvenue à Loupitopia. Ah bah voilà, ça remarque les alertes. Merci. Bienvenue. C'est chill, je gueule H24 et j'insulte les enfants, mais c'est chill. Elle va aux toilettes, Greluche. Qu'est-ce que c'est? Elle va s'évanouir, l'autre. Oh, elle nous fait chier. Ah, ça y est, de toute façon, elle a le niveau 2. Bon, bah, tu vas t'endormir, t'auras pas ton histoire. Quel dommage. Ah là là, c'est dommage. Ah oui, oui, c'est sûr. Surtout les nourrissons. Après, c'est peut-être parce que je les ai pas encore domptés. Hein. J'ai dit la même chose pour les bambins. Maintenant, je suis soulagée quand les nourrissons passent bambins. Elle crie pas, elle s'exprime exactement. Je parle fort. C'est parce que moi, j'ai grandi à la campagne et il fallait s'entendre à l'autre bout du champ, tu vois. N'importe quoi. Tiens, on va ramasser des fleurs. Oui, en robe de chambre. Ah non, c'est rhabillé, nul. Je voulais qu'elle sorte à poil, moi. Donc, c'est mon deuxième sans bébé challenge. Parce que je suis un petit peu maso. J'en avais fait un il y a longtemps. Il n'y avait pas les bambins. Et ils étaient apparus pendant mon sans bébé. Voilà, tu sais tout. Et là, comme ils ont fait les nourrissons, je me suis dit, tiens, et si on rigolait qu'on en refaisait un? C'est infernal. C'est infernal. Mais bon, on se marre bien. Enfin, surtout vous, parce que moi, je crie, mais ça... ça, c'est une autre histoire. Des tomates! Allez, ça fera toujours des sous. Enfin, ça fera moins de sous que mes toiles, mais bon, c'est un détail. Alors, Josiane, là. Et pour présenter un peu les gens, donc, ma matriarche, c'est la première pour le moment. Elle s'appelle Georgia Duslip. Comme tu peux constater, elle va bientôt véler, hein. Voilà, elle va mettre bas, comme on dit. Lui, c'est un de ses gosses qui reste là pour m'aider pour le moment. Mais bon, il me saoule. Il y a déjà toute une fournée qui est partie. J'ai eu des triplettes et deux fois des jumeaux. Attends, les aliens et Désiré Martin. Ouais, c'est ça. Et ici...
C'est Francette Luce et Rita, sa jumelle, comme tu peux le voir, elles se ressemblent beaucoup. Et les jumeaux, alors on a Sylvandre et Guy-Georges. Oui, Martin, c'est le jumeau de Désiré que j'ai gardé. J'avais gardé Martin au début, mais il était narcoleptique, donc il s'endormait tout le temps, partout. C'est pas ouf, mais ça a peiné Braise que je l'enlève. Il est avec ses frères et sœurs, hein, il vit bien, t'inquiète, dans la rue. Voilà. T'inquiète, Brésou. C'est pas grave. Il s'en remettra. On va nourrir ce chien-là. Hop. Allez, rentre. Je vais pas pondre dans la nature. Et alors, la règle ici, Little, enfin, la règle, c'est que c'est vous qui donnez les prénoms des bébés aux bébés. Donc, dès que j'ai un petit, le premier qui rentre le nom, qui rentre un nom, bah. Voilà, est choisi. Sachant que c'est un par personne. Donc, si j'ai, disons, six bébés dans un stream, à moins qu'il n'y ait que deux personnes, bah. J'alterne. Voilà, on fait un peu participer quand même, sinon ça n'a aucun intérêt de live. Je fais dans mon coin et puis basta. Ah, mais tu diras quand. Quand les bébés seront nés. D'ailleurs, je vous déconseille de donner votre pseudo parce que très souvent, j'insulte les enfants. Je voudrais pas que vous le preniez pour vous. Après, si ça vous amuse de vous faire insulter, il n'y a pas de souci. Et je respecte, hein, chacun ses kinks. Bref, qu'est-ce qu'il va faire? Tout à l'heure, je tourne et je fais rien. Les chiards. Bon, bah lui, il est chiant, mais c'est bon, il est nourri. Celui-là, il dort. Elle vit la nuit. Elle a tout compris. Et Francette Luce, elle sera catcheuse, on avait dit. Ah oui, puis j'ai pas le temps de les relooker, moi. J'ai maltraité Sissim, Sissi. C'est la maltraitance. Sinon, si tu veux un let's play un peu plus détente et vraiment chill pour le coup, je fais une semaine sur deux avec le sans bébé un autre let's play qui s'appelle Lulabi's Life, où on suit la vie de Lulabi qui pour le moment est enfant. Et vous participez. Donc vous m'envoyez des familles et puis vous faites des choix pendant les lives, etc. Et on va boire un coup parce qu'il fait chaud. Fred? On a déjà eu ce débat dans un autre live il n'y a pas si longtemps. Bref, je vais te le faire copier 8000 fois. Masochisme. Masochiste qui aime souffrir. Sadique qui aime faire souffrir. Me suis trompée, mais tu te trompes à tous les lives, Braise. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais Georgia, t'as pas le temps de sociabiliser. Là, t'as des mouflets, tu vas pondre. Tu iras courir le gueux quand tu seras. Quand ton ventre sera vide. Ton utérus plutôt. Pour être précise. Ah, et d'ailleurs, pour le sang bébé, tu peux aussi participer si tu as. Si tu as le jeu, Little, tu peux m'envoyer des papas ou des mamans. Je m'en fous tant que ça peut mettre enceinte. Il y a le hashtag là, sur le côté. Bah, cours les gueux, hein. Attends, elle a toute une liste. Elle a cru qu'elle allait avoir des amis. Ben non, c'est bon. De temps en temps, elle se fait reluire le miroir et puis après, c'est fini. On élève les chiards, hein. On n'a pas le temps, nous. Bon, endors ce chiard-là. Oh, faut tout leur dire. Et il le garde pendant deux plombs dans les bras. Qu'est-ce que tu veux en faire de ce truc-là? C'est bon. Il parle même pas, aucun intérêt. Moi, le poncan, que je sorte mon idée de merde. Ah bah. Elle devrait pas tarder, peut-être dans le soir de la journée, là. Ça ne veut rien dire, mais. On va dire que vous avez compris. Oh, y a
Dans le soir de la journée, ok, Braise, t'as compris? Allez, on est où, nous? Ma petite Francette Luce. Oh, ça hurle. Qu'est-ce qui hurle? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, lui, la faim. Ok, ça, c'est normal. Mais non, mais c'est même pas lui qui hurle. Bah, c'est lequel qui hurle? Bah, c'est lui. Sylvandre! Tu casses les noix, Sylvandre! Bon, peu importe. On veut aller allaiter Guy Georges. Je veux 3 bébés. Ce sera pas possible. Il y a Désiré. Ou alors, faut qu'on enlève Désiré avant. Mais je vais galérer. Allez, on enlève Désiré. Ah, faut que tu sois la première à poster, Braise. Hein. T'es mixte au moins ton nom parce que. Ça va que. Un genre, ça va pas du tout. Bon, on enlève Désiré. C'est parti pour la galériade. Voilà, ils sont tous là. Tu vois comme ils sont beaux. Donc, ça, c'est les triplettes. Je sais plus leur nom. Starla, Lara et Églantine. Ça, c'est Martin, le jumeau de Désiré. Donc, Désiré, tu vas le rejoindre. Et là. L'enfant de l'enfer. Je dis pas ça parce qu'il est moche, mais parce qu'il était infernal. Bigfoot. Et Julien, son jumeau, qui était correct. Enfin, ça va. Ah merde! Est-ce que tu fais Discord avec le point d'exclamation Discord? Évidemment, mon point d'exclamation, je sais pas. Ça marche plus non plus? Normalement, il marche, mais bon, moi, si je clique dessus, je suis déjà dessus, donc ça sert à rien. Ok. Eh ben, merci. Mais si t'as pu rejoindre, il est pas expiré, alors, comment ça se fait? Ou alors, c'est où? Celui de la bio, pas l'autre lien. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attends. Je vais aller voir vite fait parce que j'ai une cervelle de moineau et je vais oublier à la fin du live. Je vais oublier à la fin. Non, mais tais-toi par contre, Lupina. C'est bon, je m'entends déjà H24. Je vais pas m'entendre en double en plus. Celui de la bio de où? Les petites icônes. Ah, ok. Ok. Ah oui, d'accord. Eh ben, je changerai ça. Est-ce qu'un de mes modérateurs peut mettre un post-it en MP, s'il vous plaît? J'ai oublié, c'est sûr. Qu'on avance, là, qu'elle les ponde, c'est cher. Mais je pense pas que j'aurai des triplés, hein. Les triplés, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà. La meuf a pas de fin de phrase. Jean-Michel, pas de fin de phrase. Bon. Rita, debout. Il est temps d'aller jouer. Voilà. Bon, faites votre vie, vous. Va aux toilettes et va dormir, parce que là, tu vas nous claquer entre les pattes. Oh, j'ai pu désirer. Au secours, j'ai pu désirer. Bon, pour ce qu'il était utile. Merci. Je sais même plus où on les change, les petites icônes. Vous m'avez toutes les deux envoyé en message. Oui, tu dois changer de 128. Merci les filles. Des modos réactifs, ça. C'est bien. En même temps, vous êtes là pour ça, pour bosser. Et vous êtes même pas payé. C'est honteux. Honteux. Oh, regardez des bébés qui jouent. Comment on s'en fout. Allez. Ah, c'est bon, toi, t'as 3 en imagination. Alors, tu vas prendre l'autre tablette, puis tu vas faire du Sims Form, là. C'est extrêmement long, le... Oh, Guy Georges a faim. Guy Georges, mon petit. C'est lui, hein. Ouais, c'est bon. Bah, je vais te nourrir si t'as faim. Mais je l'avais pas déjà nourri. Elle a pas nourri, en fait. Elle m'écoute pas. Oui, chef. Réactif, mais pas respecté. Comment ça, t'es pas respecté?
En même temps, t'as qu'à se souvenir des définitions que j'ai déjà expliquées 16 000 fois. Non mais oh, sale gosse. Alors, je leur crie dessus, mais elles sont là depuis 2016, hein, donc bon. J'aurais pu partir, quoi. Non, Mazo, mais c'est pas possible. Tu vas pas te... Ouais. Bon, après, Miss avoue qu'elle est Mazo. Par contre, Braise, c'est pas encore ça, hein. Excuse votre Altesse. Oh, pas votre Altesse non plus. Voilà. C'est vrai que les gens confondent souvent. Et moi, je suis chiante. Quand les gens confondent, bah, je leur dis, je leur hurle dessus pour qu'ils retiennent, mais ça marche pas très bien. Je devrais peut-être tester une autre stratégie, comme expliquer gentiment, mais c'est pas drôle. Bon bah pose-le ce mioche maintenant, c'est bon là, allez, va te coucher. Et prépare-toi pour pondre, hein. Parce que là, là, elle va bientôt, ça va bientôt. Bah voilà, il suffisait de demander. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Va pas te coucher en fait. Viens avoir le bébé dans le landau arc-en-ciel là. Allez, go. Qu'est-ce que ça va être, garçon, fille? J'espère qu'il y en aura au moins deux. À mon avis, il n'y en aura pas trois. S'il n'y en a pas trois, je remettrai un gosse. C'est ça, Missou. Allez, pont. C'est l'heure. Je suis sur Braise, elle a déjà écrit son nom. Elle est prête à appuyer sur entrée dès qu'il y aura l'encadré. Voilà, c'est moi, la sadique. C'est un garçon. Comment on l'appelle? Nitram. C'est quoi ce nom éclaté? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est? Roger, ok. Bah, 2016. Peut-être plus tard pour toi, Missou, mais Brest, c'était 2016 ou 2017. Alors, j'ai gagné. Mais c'est quoi, Nitram? C'est censé être drôle? Bon. Nitram, chatouille. Ah, et c'est une fille, la deuxième. Comment on l'appelle? Alors, je vais le noter sur le doc. Nitram. J'ai toujours pas compris, hein. Bon, il y a peut-être rien à comprendre, tout simplement. Nitram. De son père, Gélécro. Galatée. Ah non, Ernestine. C'est Miss qui l'a eu en première. Ernestine. Je sais pas quoi dire. Bah voilà, il y en a que deux. Il y en a que deux. Honteux. Ernestine. Donc on est à 13 bébés. Je change. Et t'inquiète pas, Little, t'en auras sûrement un la prochaine fois. Je prends vraiment le premier que je vois, hein, dans le chat. Alors, je sais pas comment ça s'affiche chez vous, mais ça s'est affiché comme ça. Roger. Tu voulais appeler le gosse Roger. T'as vu l'explication? Alors, pardon. Gna gna gna, gna gna. L'inverse de Martin. J'aurais pas dû te choisir. Ah oh, putain, c'est insupportable. Ah non, mais Martin, Braise et Martin, le prénom, je parle, c'est une dinguerie. Partout, à chaque fois que je demande un prénom, Martin. À chaque fois qu'elle nomme un Sims, Martin. J'ai réussi mon coup, c'est parfait. Bah, Laura, t'aurais pu mettre, hein. C'est un prénom de fille. À moins que ce soit le tien et que tu veuilles pas que je t'insulte indirectement. Ce que je comprendrais. Bon, bah maintenant, il va falloir s'occuper de tous ces chiards. Alors, si ça vous dérange pas... Putain, elle est blanc-cul, elle. Oh non, ça va être un vampire. Oh, je suis sûre que ça va être un vampire. Je crois que
J'ai les crocs, c'est un vampire. Oh non! Oh non! Bah écoutez, je vais pas la refaire enceinte tout de suite. Je vais au moins attendre que des gosses dégagent. Donc je vais remettre un enfant avec. Et c'est Little qui va choisir lequel des anciens on ramène. Pas Martin. Ça ferait trop plaisir à Braise. Donc, tu as le choix, ma petite Little, entre bah, tous ces grands gaillards-là. Il y a donc Starla, Lara, Églantine, Martin, Désiré, Bigfoot et Julien. Lequel vert? Bigfoot ou Julien? Braise, on fait pas de chantage affectif. Le vert. Bigfoot, évidemment. J'en étais sûre. Allez, Bigfoot. Je le déteste. Je le déteste! L'autre a le nom de mon ex. Ah oui, on va éviter. Cela dit, m'entendre insulter Julien, peut-être que t'aurais kiffé, enfin, je sais pas, ça se trouve, vous êtes en bon terme, je dis ça. Bon, Bigfoot, tu vas pas manquer. Alors Bigfoot, il a un papa vraiment hideux. Ah oui, parce que le petit fun de mon sang bébé, c'est que c'est vous qui m'envoyez les géniteurs. Donc comme j'ai dit, garçon ou fille, je m'en fous. Et vous les foutez dans un costume et vous faites le physique que vous voulez. Comme ça, bah c'est un peu la surprise à l'adolescence. Donc Martin, non, Bigfoot. Bigfoot a le visage à peu près de sa mère, c'est-à-dire que, hormis les ch'tards, parce que je me suis pas très bien occupée de lui à l'adolescence, et encore, les ch'tards, c'est pas un drame non plus, hein, je veux dire. Il est pas si mal de visage, mais alors le corps, il a tout pris de son père, hein, c'est-à-dire que, bah, il est un peu, bah, disproportionné, quoi. C'est une vague. C'est pas grave, on l'aime quand même. Enfin, non, lui, je l'aime pas, en l'occurrence, mais. Son frère était cool. Son frère, c'est la même. Filiforme. Bah, pas vraiment, parce que tu vois, en fait, c'est chelou. Genre, il a les bras fins et les avant-bras gros. Il a pas de côte, mais il a un ventre, mais il a pas de hanches. Il a des grosses cuisses. Non, il a des gros mollets, mais des petites cuisses. Et puis, bon, bah, il a un cul Bombay. Non, Bigfoot, écoute, si jamais tu t'ennuies un jour, Little, tu peux aller sur mon YouTube et regarder la playlist. L'épisode 3, il s'appelle Ode à Bigfoot. Et pendant tout l'épisode, je chante pour lui à quel point il me saoule. Voilà! Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tcha-tcha dans le berceau? Tcha-tcha-tcha? Aïe, aïe, aïe. Ils dorment assis à ces concepts. Complètement buggé, hein. D'ailleurs, tous les Sims prennent la pose là des nourrissons avec les jambes pliées. C'est très drôle. Ah oui, c'est les médocs? Non, pas encore, ça a pas sonné. Ça a pas sonné. C'est dans une minute. Je chante bien quand je veux et certains trucs. Voilà, bref, Bigfoot mériterait. D'ailleurs, vous pouvez faire les clips sur Kick, je crois, et vous pouvez faire aussi les clips sur YouTube. Oui, mais ça n'a pas sonné chez moi, il est 21h59. Et TikTok aussi. Oui, mais TikTok, je ne suis pas active, donc après, peut-être que je remettrai les clips que vous faites sur TikTok, je sais pas. Je suis fainéante. Voilà, là, tu vois, là, il est 22h, là, tu vois, tu ne vois pas, là, tu vois. En plus, c'est la musique de Jackie Michel, ok? Voilà. Donc, je prends mes médocs. Merci, Brésdou. Alors, voilà. Et hydratez-vous, bande de cons, c'était gratuit.
Je suis plus réactive que ton alarme. Bah, elle a sonné à 22h. Non, en fait, c'est une chanson des Trois Fromages, un groupe qui fait des chansons rigolotes. Ils ont fait une chanson Merci Jacky Michel, et avec Ruru, on a tourné dedans en tant que figurant. Sauf que, bah, après, il y a eu des bails pas clairs avec Jacky Michel. Donc, ils ont enlevé cette musique de leur répertoire. Mais bon, bah, du coup, faut que j'enlève. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. C'était quand même marrant, c'était une expérience marrante, le tournage et tout. Le tournage du clip, hein, j'ai pas tourné dans un Jacky Michel, qu'on soit d'accord. C'est pas dans mes projets. Pas trop dans mes projets. Je suis perdue. Voilà, ça y est, deux. Oh non, mais ça va tellement être un vampire. Ah. Non, pas trop, Brézou. Mais vas-y, toi, si tu veux, fonce. Par contre, apparemment, bah, va pas chez Jackie et Michel parce que c'est pas terrible. Tu peux juste dire oui, voilà, j'aimerais venir pour faire l'amour avec mon mari et tu te retrouves dans une partouze sans que t'aies rien demandé, quoi. C'est pas ouf. C'est pas ouf, ouf. Oh, cette dégaine, ce style, cette classe. J'en ai des frissons de dégoût. Ah, et puis évidemment, comme il m'a fait chier toute sa vie, je l'ai habillé en conséquence. Hein, c'est-à-dire que il a son meilleur look là. Et puis ce mulet. Oula, ça va pas trop les filles là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, va aux toilettes. Va aux toilettes, hein. Oh, elle est fatiguée pour changer. Ça roule, Missou. Bonne nuit si tu t'endors. Gros bisous. Est-ce que vous voulez que je les mette dans la galerie quand les enfants, dès qu'ils sont 8 dans le foyer, là ils sont 7 je crois. Je peux les mettre, hein, je m'en fous. Bah je les mettrai alors. Mais il faut encore qu'il y en ait un qui les rejoigne. Ou alors je mets cela, puis après je mettrai cela, etc. Bigfoot. Tu nous fais chier. Je sais même plus l'air, je sais même plus ce que j'ai chanté. Est-ce qu'il reste des plats dans le frigo? Des plats dans le frigo, tiens. Mais arrête de regarder la télé, va faire le ménage. Oh, il y a la Nancy! La Nancy! Au hasard, je garderai Martin. Je vais arrêter de te répondre, Braise. Voilà. Non, faut pas faire dans ta couche alors que tu sais aller aux toilettes. Non. Ouais, mais t'es trop sur la tablette. Voilà. Les dangers de la tablette, les gars. Hein. Bah, c'est trop tard, là. Elle a cagué, comme on dit, hein. Moi j'ai cagué, moi j'ai cagué. Par contre, bref, tu vas me le faire à toutes les sauces, genre à l'endroit, à l'envers, toutes les lettres mélangées, un anagramme, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et en version féminine aussi, parce que bon, je vais arrêter de prendre tes prénoms à force, hein. Arrête de crier, la catcheuse! Pas sur le pot! Bon, c'est un peu tard, mais c'est un détail. Tarmine. Ok. Non mais c'est bon, j'arrête de. Je ne choisirai plus tes prénoms. Voilà. Chais.
Ouais, je sais que ça fait Martine mélangée. Je crois que c'est un anagramme, hein, quand on mélange les lettres d'un prénom. Je regardais. Anagramme. À moins que je confonde, ce qui est très probable. Une anagramme, déjà, c'est une anagramme, donc voilà, est une figure de style de la langue française qui, en changeant les lettres d'un mot, de place les lettres d'un mot, permet de créer un nouveau mot sans rajouter de lettres, comme chien et niche. Et aussi le très célèbre kayak et kayak. Enfin, ça, c'est plutôt à l'envers. Excusez-moi, je me suis un peu raminée. Oh, putain. Braise? Tais-toi! Oh, je suis fatiguée, tout ça. Bigfoot, va endormir ta petite sœur. On va faire des cauchemars avec toi, la pauvre Rita, elle mérite pas ça, mais bon. Écoute. Est-ce qu'on peut, hein? Coucou Kiki, comment tu vas? Elle est on fire. Ouais, ça coupe ma voix quand je vais trop dans les aigus. C'est peut-être pas plus mal pour vous. Bisous Little, merci d'être passé, c'est gentil. On espère te revoir prochainement. Ma voix est partie en couille. Mais alors Kiki, c'est à cette heure-là que t'arrives? Kiki! T'as raté la naissance de Nitram? Et de Ernestine, Kiki. Et j'ai ramené Bigfoot. Voilà. Ah oui, donc évidemment. Oh, c'est relou. Ah, les deux chiantos qui braillent! Je suis toujours en retard. En fait, Kiki, t'es le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles. Tu cours partout avec ta grosse montre. En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard! N'est-ce pas? Sans de la haine. Nitram! Non, mais on va partir du principe que ça sera un petit ange. D'accord? Et si... Attends. Écoute-moi bien là. Là, je fais un zoom là. Braise, écoute-moi bien. Nitram... T'écoutes là? Si Nitram est casse-couille, plus jamais je prends tes prénoms. C'est clair? Ok. On peut reprendre. Parce que Nitram, c'est Martin à l'envers, Kiki. Voilà, donc elle va nous le faire à toutes les sauces. Un sup. On va s'occuper d'Ernestine qui nous casse les couilles. En même temps, c'est un bébé. Un bébé. Le Pour l'instant, Nitram est sage. À voir. Mais il n'est pas seul dans la nature, Martin. Il est avec tous ses frères et sœurs. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, n'importe quoi, vous.
Il l'a même pas mis dans le bon lit. Elle se lève pour aller s'évanouir. Non, mais on s'en fout de ça. Va te coucher, morue. Oh, relou. Relou. Bon, qui c'est qui a faim, là? Ok, si Ruru pouvait se calmer, parce que je sais pas si vous l'entendez rire, mais moi, je l'entends. Ruru! Braille. Bon, c'est bon, là, elle dort, allez, hop! Oh! En plus, oh, j'ai trop peur que Nitram, il crame. C'est un vampire. Quand il sera ado, faut que je fasse gaffe, hein. Il va s'enflammer. Oh non, va falloir acheter du plasma. Oh! Ça veut dire qu'il faut que je débloque les connaissances vampiriques, sinon on ne pourra pas acheter de putain de plasma. Oh putain. Oh, ça me saoule. Qu'est-ce que tu fais? Hein, tu... Oh, c'est mignon. Tiens, tu vas aller lui donner un bain. Donne un bain à Guy Georges. Content d'avoir fait un vampire. Hey, merci, hein, Kiki, merci. Aïe, aïe, aïe. Oh, regardez, cette traînée de puanteur. Ça fait pareil dans la vraie vie. Après, peut-être qu'Ernestine aussi est un vampire, on ne sait pas. Mais en tout cas, vu la couleur de la peau de Nitram, j'ai quelques suspicions. Après, ça veut rien dire, hein. Si, quand même, un peu. Oh, et l'autre, elle arrête pas de péter, on n'en peut plus. Ah oui, non, mais par contre, va falloir aller aux toilettes là, madame. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Et hop, et tu changes la couche de celui-ci aussi. Toi, on va te mettre ta petite berceuse. Bigfoot, tu veux bien aller le recoucher, s'il te plaît? Voilà. Merci. Prendre une douche. Prendre les restes. Et Bigfoot. Bah, Bigfoot, il va aller dormir. Après tout ça. Non, avant, il va jeter la couche parce que sa mère, elle va pas tout faire quand même. Quel PG, ce Nitram. Ah, on va l'entendre parler, tiens. À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Depuis que j'ai vu Sylvandre. Je sais plus. Moi, ouais, j'ai déjà oublié. Me regarder d'un air tendre, mon cœur dit à tout moment, peut-on vivre sans amant? Ça va. Sylvandre! Eh ben Sylvandre, il nous fait chier! Voilà! Bon, elle est quand même mignonne, Georgia. Franchement, elle est belle, hein. Enfin, moi, je la trouve belle. Après, chacun ses goûts, mais... Ouais, évidemment, évidemment, on veut la regarder, et puis elle se barre! Bon, alors là, elle a l'air un peu con. Mais bon,
On a tous l'air con à un moment donné. Oh, la petite grenouille avec un 5 cœurs, une fleur. D'ailleurs, n'hésitez pas à spammer les smileys à mon image. Enfin, à l'image de mon pony Sona. Voilà. Bah, je peux pas. Ou alors, il faut que je me débarrasse de... Comment il s'appelle ? De Bigfoot. Mais il n'y en aura qu'un, du coup. C'est pas drôle. J'aurais pas le temps de faire grandir les chiards en ado. Oh putain, Sia. Magnifique. J'aurais pas le temps de faire grandir tous les chiards en ado avant d'avoir un autre enfant. Enfin, en adulte, je veux dire. J'irai refaire un gosse quand les jumelles seront parties. Voilà. Depuis que j'ai vu Sylvandre me regarder d'un air tendre. Bon. Ah les enfants, quel plaisir d'entendre leurs cris. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? T'as fait un cauchemar ? Eh ben, va faire caca, ça ira mieux. Vous avez compris, les enfants ? On est plus vieux ? Quand vous... Tu coupes mon son, Miss ? Ok. Quand vous faites un cauchemar, vous allez faire caca et ça va mieux. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Va faire ce que je te dis, morue. C'est pas croyable, ça. Alors, les niveaux. Hop. La réflexion, ça va être si long. J'en ai déjà marre de la réflexion. J'en ai marre de la réflexion. C'est bien trop long, cette réflexion. C'est bien trop long. C'est bien trop long. C'est bien trop long. Pousse ce bébé! Je t'ai pas demandé de t'en occuper. Je t'ai dit d'allaiter ce petit. Oh, mais c'est pas croyable, ça! Le son des mioches, ah yes! C'est ça, Kiki. Évacué mon cauchemar par le caca! Du coup, dit comme ça, c'est un peu bizarre. J'ai eu peur. Je suis désolée. Elle m'a saoulée! Et qu'est-ce qu'il a? Fleur interminable. Ah bah c'est ça! Mais je crois qu'il déteste les enfants, Bigfoot! Attendez. Ah non, ça va, il est juste malveillant. Oh le pauvre, regarde. Regardez le tri qui se tape. Ignoble. Estime de soi élevée, bambin heureux, mais nourrisson malheureux, imprévisible, malveillant et soigné. Purée de pomme de terre, c'est pas vrai ça. J'avoue que j'ai un peu gueulé, je me suis moi-même fait peur. Bref. Et alors, celui-là, ah bah oui, celui-là, il est temps qu'il mange, là, le pauvre enfant. Pauvre petit. Ouais. Mais ferme ta gueule, Martin 2. Putain, il me fait déjà chier, braise.
Elle est contente d'elle, hein. Elle va me polluer mon sang bébé avec ses putains de Martin, là. Je vais avoir une aversion pour ce prénom. Les gens vont rien comprendre. Je vais rencontrer un gars un jour et me dire « Oh, je m'appelle Martin et je vais m'enfuir !» C'est ça que tu veux, Brest, me traumatiser ? Imagine la scène. Salut, moi c'est Maud et tout ce qu'a Martin. Ah qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe aïe aïe. Déjà je suis pas très sociale alors j'imagine même pas. C'est bon, ça se calme là les mouflés? Oh, il est insupportable! Insupportable! Putain de bébé de merde! On change lui sa couche là. Et l'autre, c'est pareil! On n'en parle pas assez, mais Ernestine, elle nous casse les couilles aussi! Oui, c'est sale! Bah, nettoie! Du con! Et la vaisselle qui est en panne? Mais rien ne va, là! Oh, attendez, j'ai une idée. Répare-le. Avec un peu de chance. Tu vas t'électrocuter et mourir! Après l'animation! Mais qu'est-ce qu'il y a, Pichoun? Pourquoi vous pleurez? Vous avez bien fait dans le pot, c'est bien? Encore une fois, il s'est fini. Homme forte! Non, non, tu vas pas commencer, là. Bon, c'est pas le trou, mais on va peut-être faire une toile là parce que les factures elles vont arriver et puis ça va péter. À vous dirais-je, Martin, à quel point tu fous le foin? Tu chiales, tu cries et tu brailles. Je veux que tu dégages de là. Je suis pas certaine que c'était le bon air à la fin, mais c'est pas grave. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, Miss. Adieu, Bigfoot, tu nous manqueras pas. Oh non! Il s'est pas électrocuté. Oh! Il aime le bricolage en plus. Putain, on lui trouve des passions. Nul, Bigfoot! Lave maintenant! Aflapi! Oh! Incroyable! Oh, moi, ça me rappelle mon... Le test du kit mini-maison. Je sais pas si vous étiez là. Je pense que oui, vous étiez déjà là. Enfin, oui. Où on avait regardé le casse et le mode construit comme d'habitude. Puis le gameplay a duré littéralement 30 secondes. J'ai ouvert le lit, ma sim s'est morte. Je pense que c'est la partie Sims la plus courte que j'ai eue de ma vie. C'était excellent. Bon, c'est con, j'aimais bien cette Sims, mais bon, bah voilà, quoi, ce sont des choses qui arrivent. Alors, mais t'as toujours... Oh, allez, encore un petit peu. Encore... Pousse encore un petit peu. Oui, bravo. C'est bien, ma fille. Allez, on va faire un câlin au nounours, ça ira mieux après. Et maintenant, tu vas jouer à la poupée. Et alors, toi, Choupette, t'en es où?
suis quand même beaucoup plus douce quand ils sont bambins. Hein. En même temps. En même temps, j'ai envie de dire. Les nourrissons sont tellement relous. Oh non. En fait, un coup je suis tendre. Un coup je suis une morue. Ah, français plus, ma préf. Hein. Pour le moment, ma préf. Là, il y aurait que moi, je la garderais. Bah, on va peut-être la garder à la place de Bigfoot. Si vous voyez ce que je veux dire. La soirée en ville, on s'en fout, par contre. On n'a pas le temps. Avec 6 enfants, on n'a pas trop le temps d'aller faire une soirée en ville. Hein. Non, mais oh. Ils ont cru. Après, on peut toujours ramener les chiens, hein, mais je suis pas sûre que les gens soient très contents. Faut boire. Oui, c'est vrai. J'ai bu tout le verre. C'est bien, Présou? J'ai bien fait ou pas? Tu me dis, hein? Il faut m'applaudir, s'il vous plaît. J'en ai... Non, mais en plus, t'as raison, parce que il faut que je boive plus. Déjà, bah, il fait chaud, c'est une chose, mais il faut que je boive plus parce que mes reins, ils sont un peu... Enfin, ils ont un peu trop de kératine par rapport à la norme. Et c'est pas ouf. Mais bon. Si c'est les médocs, c'est les médocs, quoi. Merci, merci. Ça me touche beaucoup. C'est trop bien ce smiley de main là, ça ressemble à rien, j'adore. Clap clap. Bravo Lupina, tu bois, c'est bien. De l'eau, évidemment. Le médecin il m'a dit, vous buvez ce que vous voulez, mais vous buvez plus. Ok, bah, je vais me mettre à la vodka, bien hydraté monsieur. Je dirai ça la prochaine fois. Mais du coup là, ce sera mon foie qui va prendre, donc ça va pas être terrible. Ouais, bon. Le truc, c'est que boire de l'eau tout le temps, et puis même boire en général, même si c'est du thé ou autre chose, bah c'est chiant. Enfin, c'est chiant. J'essaye de boire 2 litres par jour, déjà, c'est un calvaire. Je sais qu'il faut que je boive encore plus, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué, je fais des efforts, mais c'est compliqué. Je fais des efforts, monsieur. Oui, bah faut en faire plus. D'accord. Bon, bah, dans 3 mois. Hein. J'aime pas l'eau pétillante. T'as pas me saouler avec ta sympé de merde, là. Franchement, je trouve aucun intérêt à l'eau pétillante. Déjà, ça pique, c'est salé. J'aime pas du tout. Prends le chemin. Quitte à boire un truc pétillant, je prends le Schweppes. Je sais pas si c'est très sucré le Schweppes parce que c'est quand même vachement amer. Bref, les petits, ça va. C'est un péprout. Ouais, le Schweppes c'est bon. Mais bon, à la limite, si je commence à boire des sodas, je sais pas si ça hydrate vraiment. Hein. J'ai du Meiti, il n'y a pas trop de sucre, mais il y en a quand même. Mais bon... Bah le truc, c'est qu'en gros, faut que je boive plus, mais de l'eau, du thé, et puis certainement du café, mais j'aime pas ça. Le café, j'aime pas ça, je veux dire. Le thé, j'aime bien le thé, j'aime en boire, mais en fait, souvent, je me fais ma tasse. Il est trop chaud parce qu'il sort de la bouilloire, donc il est brûlant, je le pose. Et puis quand je le bois, il est gelé le soir. Je le fais le matin, je le bois le soir. Et encore, quand je le bois, c'est pas terrible, quoi. Bref, c'était mon instant cool ta life. Pourquoi il braille, Ruru? Qu'est-ce qu'il fout? Je vais lui dire de brailler moins fort.
Voilà. Qu'est-ce qu'elle est... Où est-ce qu'elle est partie? Ah bah d'accord. Bah très bien. Ah, oh, c'est l'autre qui l'a mis au lit, putain. On t'a rien demandé. Bon, Bigfoot, va t'occuper de celui-ci, là. Celle-ci, pardon, c'est pareil. Écoute, Ernestine, un homme, une femme, bon, maintenant, maintenant, on ne doit pas choisir pour toi, tu choisiras plus tard. Voilà, apparemment. Ouais, mais je crois que ça coûte la blinde, ça. C'est genre, tu mets dans une gourde et la gourde, elle sent un truc ou je sais pas quoi. Non? Je sais pas. Après, si c'est un goût éclataxe, je t'avoue que ça m'aidera pas trop. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Oh là là, elle a faim, la choupette. Ils ont faim, ils ont sommeil. Je m'en occupe pas du tout, hein. Oh, ces putains de bébés. Là, ils nous cassent les noix. Ils nous font chier. Ils nous cassent trop les pieds. Ces putains de petits bébés. Ah oui, alors tu parles des cubes. Ok, oui, je vois de quoi tu parles. Mais bon, ça doit être bien chimique, ça. Je sais pas si c'est. Ouais, je sais pas. Après, il y a toujours le sirop, mais c'est pareil. Encore une fois, c'est bourré de sucre. Donc. Bah, c'est cool, je sauve mes reins, mais j'ai du diabète. En fait, j'ai l'impression. Enfin. À mon stade de maladie, entre guillemets, quand j'ai un médoc qui soigne quelque chose, il abîme un autre truc. Donc mes anti-rejets, ils permettent que mes poumons soient pas attaqués, mais ils défoncent mes reins. Le... Je sais plus ce que j'ai pour l'estomac, ça soulage l'estomac, mais ça défonce le foie. Voilà, ça peut durer longtemps, hein. Ah, Big Pharma nous aura tous. Ouais, je sais, je sais. C'est comme... Ah, tiens, t'as mal à la tête, prends ça, mais par contre, ton foie, il va prendre cher. C'est trop ça. Bah non, y a pas... moi je vois pas de doublon, hein, Miss, t'inquiète. Puis au pire, on s'en fout. Hein. Bref. La 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 la. Oh, ça suffit. Est-ce que t'as fini ta peinture? Ah ouais. Ah, c'est ok. Qu'est-ce qu'il y a? Va te coucher, ma petite. Toi aussi. Allez, hop. Hop là. Oh mon Dieu, c'est l'anniversaire des... Déjà? Déjà? Ok. Bah écoute, on va pas se faire prier alors, hein. On va aller les changer d'âge. C'est de la merde, les médocs. Bah, oui et non. Parce que, bon, sans aucun médoc, je serais morte depuis 30 ans. Donc, c'est pas si nul, tu vois. Alors, elle va être sensible. Oh, putain. Super, Ernestine. Je t'aime déjà. Mais j'avais dit de faire vieillir Martin 2, là!
Même ça, il sait pas le faire. Allez. Pourquoi il ne le grandit pas? Oh mon Dieu, qu'il va être vilain. Prudent. Ouais, bon, ça va. Vous savez ce qu'on va faire pour... Oh mon Dieu, qu'il a l'air vilain. Bon. Vous savez ce qu'on va faire pour clôturer cet affreux épisode? Enfin, pas si affreux que ça, ça va. On va aller l'échanger. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, on va les foutre au lit parce que sinon, ils vont nous casser les couilles. Hop. Et Ernestine dans le berceau rose. Putain, j'ai cru qu'elle avait les cheveux gris. Peut-être, hein. Non, mais il est incroyable. Oh là là. Oh, il y a Fifi Brindachi. Une noire rousse, encore mieux. Ouais, c'est la petite sirène. Pardon. Ah, bref. Moi, je pense que ça va être un démon. Happy birthday! Happy birthday! Ouais, la nouvelle petite sirène. Voilà, t'as besoin de préciser. Bon, au moins, il n'y a plus de bébé à chialer toutes les deux secondes. C'est déjà ça. On va voir le positif, hein? On va voir le positif! Happy birthday! Happy birthday! Ah, oh, je quitte cette chambre, j'entends plus. J'entends pas, la la la. Si j'entends pas, c'est que vous pleurez pas. Et ouais, c'est comme ça que ça marche. Hop. Et on va aller relooker ce petit monde. Déjà, on va sauvegarder. Non, il y a Ursula, yes. T'as chanté quoi? Ah, joyeux anniversaire. Et tu chantes pour Martin 2, mais pas pour Ernestine. Bah, c'est pas très sympa pour sa jumelle, hein. Franchement, il y a du favoritisme chez toi, Braise. C'est un peu dégoûtant, hein. Moi, je les déteste tous autant. Il est formellement interdit de critiquer Nitram. Bah, on va gêner, ma vieille. Alors là, t'es pas prête, hein. Elle est adorable, Rita. Pour le moment, en tout cas. Oh, elle a un truc de sourd. Ok, pourquoi pas. Elle est adorable. Oh, des petits lamas, trop mignons. Est-ce qu'elle a toujours? Bah, ce serait bien qu'il soit logique, genre ils lui mettent les appareils auditifs sur toutes les tenues, pas juste une. Parce que bon. En plus, elle a toutes les couleurs. Hein. Si, on va lui mettre. Hein. Ouais, elle en musique. Normalement. Devrait y avoir une extension en juillet, hein. Si, c'est Riton la Fouine. Mais je sais pas à quoi il ressemble. Mais... c'est... attends. Si, c'est pas le mec qui a le l'horrible culotte rose. J'ai pas regardé sa tête, mais de loin, il avait l'air pas mal, vu que t'avais oublié de lui mettre le costume sur la tronche. Il avait l'air pas trop mal. Après, peut-être qu'en zoomant, c'était horrible. Ça arrive souvent, ça. Mais là, elle a l'air plutôt kiki, en tout cas. Enfin, pas kiki, toi, mais t'as compris. T'as compris. Elle a l'air mignonne. Voilà. Yeah. Qu'est-ce qu'on s'en fout de cette nuit-là? De toute façon, on les mettra pas. Par contre, mettez-lui bah, son appareil auditif pour tout. Hein. Elle en aura un de toutes les couleurs. Voilà, lui il sera violet, lui il sera jauni, machin, non il sera rose, tiens. Et pour l'hiver, il sera vert. Parce qu'on est stylé.
handicapé mais stylé. Retenez cette phrase. On va essayer de lui trouver un maillot de bain violet. Ouais, bon, c'est pas... Ah, celui-là. Il arrache un peu la rétine, mais bon, elle est sourde, pas aveugle, hein, donc ça va. Elle est mignonne. Elle est très mignonne. Mignonne petite fille. Bon, on va la laisser comme ça, c'est pas mal. Maintenant, notre petite catcheuse. Les lamas. Par contre, les lunettes de soleil pour dormir, vous m'expliquez le concept. Oh, elle a des jolis yeux. Elle a les yeux de sa maman. Par contre, on va te mettre une autre coiffure. Hein. Ah, ça. C'est parfait. C'est ce que je veux comme tenue. Enfin, je crois. Voilà. Et les bottes, c'est parfait. Des bottes de catcheuse. Ah. N'importe quoi. Les sourds sont admis, eux. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est narco. Les narcos sont admis. C'est juste qu'ils s'endormaient vraiment partout. Et tu comprends bien que pour faire le boulot qu'il doit faire, il n'était pas apte. Il est mieux chez lui tranquille. Plutôt qu'à subir la pression de sa mère et de ses frères et sœurs qui le réveillent tout le temps en plus. Bah oui, c'est le boulot d'un petit chinois. Est-ce que Martin est un petit chinois? Franchement, il a déjà eu tout son épisode, tu vas pas te plaindre. Hein. T'avais qu'à être là pour l'épisode où il était là. Hein, Bibou? Hein, c'est vrai que Brest, elle abuse Bibou. Bah oui, il est d'accord. Il est d'accord. Allez! Le petit Sylvandre. On va le laisser blond. C'est très bien. Quelle couleur? Ça, c'est sympa. Est-ce que faut mettre des lunettes de soleil à un bébé? Enfin, certainement, mais j'en ai jamais vu. Ah si, ou alors c'est attaché à la tête. Enfin, avec un élastique. Je m'en fous, j'ai Nitra. Putain, mais elle est chiante. Yes, bravo, Missou. Tu es une warrior. Ça va, pas la peine de nous montrer ton fion. Hein. Hop, et de 1. Ça va peut-être être des vrais jumeaux, eux. Hein. Ouais, je sais pas. Attends. Arrête de bouger! Guy Georges. Je sens qu'ils vont avoir une tête pas possible. Ah, ils ont l'air d'avoir la même tête. Ah non. Non, pas tout à fait. Bah, il est très bien ce petit haut, voilà, c'est parfait, c'est bien ça. Ouh, le bibou! Le bibou! Et maintenant, cette horreur! Ça va pas être possible de lui faire des cheveux aussi blonds, par contre. Hein. Il les aura châtains.
Voilà, ça va être mieux. Ouais, ça, c'est pas mal. Ah, le meilleur. Tu es contente de m'avoir dit de venir? Bah, en fait, non. Donc, je pense que je te réinviterai pas. Voilà. Alors, on a pharmacie. De quoi? Je sais plus de quoi j'ai parlé. Oh, trop mignon, le petit ours. En fait, non. C'est roulé dans la farine. Mais non, c'est un vampire. Enfin, je pense. On verra. Ah oui. Oui, oui. Ok. Les lunettes de soleil pour bébé. Oui, il me semblait bien que j'en avais vu des petits avec... Je sais pas si on m'en mettait, moi. Bah, elle va rester rousse. Écoute, on a bien des noirs blonds, on peut avoir des noirs roux. On aurait dû l'appeler Ariel, hein, si on avait su. Ouais, c'est parfait, ça a la couleur de la petite sirène. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le... Mais c'est peut-être quand ils sont plus grands. Il y a déjà le logo quand ils sont nourrissons. Ah, t'as peut-être raison. Il y a peut-être déjà le logo quand ils sont nourrissons. Ouais, il me semble aussi. Bon bah, il va juste être moche alors. Il sera même pas chiant, il sera juste moche. Ah, oh, mais c'est adorable ça! Adorable! Bleu, 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 bleu! Les petites fraises, ok. La fraise! Et voilà! Bah voilà, on a relooké tous les chiards là! Ah, je vais pas changer de coiffure à elle! Bah, je trouve que ça lui va bien! On va lui laisser! Voilà. Oui, oui, t'as raison. T'as raison, Kiki. Oh, vous avez raison. Sur ce, eh ben, on va sauvegarder. Voilà, voilà. Les gens qui n'ont plus rien à dire. Hop. On va sauvegarder. J'espère que ça vous a plu. Merci aux nouveaux qui sont viendus. Merci à ceux qui regarderont la rediff. La rediff, vu qu'il faut que je upload tout, bah, je vais... Ça va mettre du temps, donc peut-être je sors les épisodes mercredi. Attends, on est quel jour? Oh non, en fait, avant. Bon, soit dimanche, soit mercredi. Demain, ça va être compliqué. Et puis voilà. Surtout qu'il fait chaud, donc j'ai évité de laisser tourner mon PC la nuit. On se retrouve mercredi pour la suite de Lake. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai bien ri. Pas trop ragée, enfin si en fait, mais c'est de la bonne rage, vous voyez, c'est pas de la rage où je suis vraiment énervée. C'est de la rage comme ça. Ah, ça existe un noir blond? C'est pas un montage, bref? Ça va être super rare. Parce que à cause de la mélanine et tout, tu vois. Je me demande. Bon, bref. Sur ce, les enfants, eh bien, bonne soirée. Sortez couverts. N'importe quoi.
Bonne soirée, je sais plus ce que je voulais dire. Incroyable. Merci d'être venu et puis à mercredi. Des bisous et salut!